Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, c'est la carte numéro 8. Alors, j'ai pris un papier blanc qui est un petit peu structuré. Je crois bien que j'avais acheté ces papiers sur Amazon, il me semble. Mais je ne me rappelle plus trop. Donc, j'ai pris donc ce papier. J'ai fait un petit cadre avec des bandelettes de papier métallisé de chez Stampin' Up. Parce que moi, j'aime pas mettre une entière parce que tout ce qui est au milieu, ben, en fait, c'est gaspillé. Et bon, le papier Stampin' Up, quand même, il n'est pas donné. Donc, j'économise au maximum. Et je fais à chaque fois des petits cadres si j'ai besoin d'un petit rebord. Voilà, on peut même faire un petit peu moins, hein. Moi, je fais un et demi, mais on peut faire un, hein, selon ce qu'on veut. Ensuite, j'ai pris du papier de chez Action. C'est un papier doré comme ça. C'est des blocs. Je vous avais déjà montré, il me semble. Je vais vous les remontrer. Vous voyez, c'est ces blocs-là de chez Action. Ah, moi, il y a au moins 3 ans hein, que je les ai. J'en avais deux. Voilà. C'est que des choses dorées et blanches. Je trouve assez joli. J'ai déjà fait pas mal de choses avec parce que le deuxième, je l'ai utilisé. Et là, donc, j'en ai repris un autre pour faire cette carte. Alors, j'ai pris donc ce morceau. On va le mettre comme ça. Je vais vous donner les dimensions. Alors, ça fait 14 par 20. Je vais coller comme ça. Alors, je vais le faire tout de suite. Parce qu'en fait, je voulais utiliser du papier de chez Artemio, qui était blanc et doré comme ça. Donc, je voulais le commander. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, si je l'avais commandé sur Amazon, ça, je l'aurais reçu après Noël. Donc, ça valait pas le coup de commander. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ces papiers dorés de chez Action, qui sont très jolis en plus. Puis quand on a des choses, vaut mieux autant les utiliser. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, mon cadre, les petites bandes, c'est 1,5. Hein. Voilà, comme ça, on tire. Alors, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un deuxième. Alors là, normalement, j'aurais pu poser directement les petites bandes sur le papier. Mais pour ne pas me tromper et faire au fur et à mesure le tuto, je l'ai fait sur un papier blanc quelconque. Hein. Vous voyez, j'ai déjà il y a des trucs d'écrit derrière qui étaient imprimés. Donc, pour mieux le poser. Donc, j'ai pris un papier de 15 par 9,5. Alors, je veux le mettre ici. Comme ça. Et donc, je vais le recouvrir avec celui-ci qui fait 9,3 sur 14,5. Voilà. Vous voyez, je vais coller ça comme ça. Donc, je vais déjà coller mon papier. Et puis après, je positionnerai l'autre pour le poser sur la carte. Voilà. Je trouve que ce petit débord là doré comme ça, c'est juste superbe. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà, alors je vais mettre celui-là ici. Ensuite, j'ai pris un dies que j'ai comme ça qui fait ses ronds.
Donc au milieu, le papier, c'est du papier pailleté, hein, de chez. Non, c'est pas un pin-up, c'est celui que j'achète chez Dalb, les grandes plaques là. Voilà. Alors c'est un doré qui est un petit peu, qui est clair. J'en avais acheté un autre qui était un petit peu plus jaune. Mais là, avec les fleurs, là, je trouve que le clair était plus joli. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai découpé un rond. Alors là, pour le coup, beaucoup plus doré. Et je vais le coller ici. Alors, ça, je vais le mettre là, comme ça. Je m'excuse, je regarde la photo que j'avais faite. Vous voyez, je l'avais positionnée comme ça. Je regarde exactement comment j'avais fait. Voilà, ensuite, je vais mettre le rond au milieu. Je vais le coller, comme ça. Voilà. Après, j'ai un autre petit bout, comme ça, de doré, qui fait 7,5 par 6. Et alors, le papier décor, il fait 7 par 5,5. Et lui, alors, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais le mettre là, ici, comme ça, et mon cercle ici. Et j'en ai encore un autre, plus petit. Alors là, j'ai fait avec des paillettes, mon petit morceau, qui fait 7,3 sur 5,8. Et le papier décor, il fait 5,4 sur 6,3. Mais ça, après, vous ajustez, hein, comme vous voulez, hein. Donc là, celui-ci, je vais le positionner là. Alors, je pense que je vais le mettre un petit peu en dessous du cercle. Donc, en fait, il faut mettre ça comme ça. Celui-ci ici et le cercle, on va le mettre comme ça. Voilà. On va le mettre comme ça. Voilà, je vous montre à l'endroit ce que ça donne. Voilà. Donc le plus grand ici, là un petit et là un autre. Alors, je vais coller tout ça. Je colle et je vous retrouve après. Alors, je vais finir de coller avec vous. Alors là, de ce côté, comme il y a quand même une petite épaisseur avec les papiers, j'ai mis des tout petits points de mousse de chez Stampin' Up, là, qui sont tout petits, de ce côté-là, pour que, vous voyez, ce ne soit pas à plat. Parce que si on j'avais pas relevé un petit peu avec les petits points de mousse, ça l'aurait aplati de ce côté. Je sais pas comment vous expliquer. Mais là, ça m'a donné une petite épaisseur. Donc du coup, ça a rattrapé l'épaisseur de ce papier-là. Voilà, c'est ça exactement. Alors là, ça va être pareil pour mettre le cercle. Voyez? Là, de ce côté, c'est un petit peu plus épais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre des points de mousse. Comme ça, il sera un petit peu surélevé sur tous les côtés. Parce que sinon, ça va faire une mauvaise épaisseur au mauvais endroit. Je vais en mettre un au milieu. Voilà, donc je vais faire comme ça. Comme ça va donner un peu d'épaisseur parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors ceux-là, là, les foncés de points de mousse, je ne vous dis pas comme ils collent. Hein. Pouf, ils collent super bien. Alors là, j'ai fait une bêtise. Ça que je... Ben si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Voilà.
Comme ça, j'ai mon épaisseur de partout et ça va pas faire de petits becs dessous. Voilà. Alors là, les petits carrés là que j'ai fait, carrés rectangles, je les ai aussi fait sur un petit morceau de papier où j'ai collé tout mes petites baguettes dessous. Voilà. Et alors, j'ai fait un poinsettia avec les Stampin' Up. J'ai fait un petit peu plus grand comme ça, que je n'ai pas pincé par rapport aux autres là. C'est avec le papier pailleté blanc. J'ai mis le petit bijou comme ça. Et alors là j'ai tamponné avec la Versamark et j'ai fait avec la poudre dorée. Après j'ai chauffé. Voilà. Et alors là, le poinsettia, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça aussi, je pense que je vais le mettre avec ça. Je vais en mettre deux. Je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et je vais le coller comme ça. Voilà. Et puis, je vais finir par ce sentiment que j'ai fait avec une perfo Stampin' Up. Voilà. Et j'ai mis mes petits autocollants, là, mes petits messages autocollants dorés, comme ça. Et là, je vais mettre ça ici. Voilà. Alors là, la carte, elle est vite faite, mais en fait, il y a beaucoup de préparation. Hier, j'ai fait pas mal de découpes. Voilà, je me positionne bien droite et j'appuie. Et voilà, on voit pas grand-chose avec le doré, là. J'espère que ça vous... Voilà. On la voit bien. Franchement, je trouve le rendu tout doré comme ça super, super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, ben écoutez, on va se retrouver demain pour une nouvelle carte. Et je me rappelais plus, mais j'ai ces tampons-là, Paisible Refuge de chez Stampin' Up. Et en fait, on peut faire des cartes avec ces tampons-là. Donc, je vais réfléchir un petit peu et je pense que je vais faire une carte avec, parce que c'est très joli ce petit chalet avec les petits sapins. Je vais voir un petit peu, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Voilà, et eh bien je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain.